J'aurais dû le crémationner. Tra-la-la-la-li. Oh. J'aime bien. Il y a sa pote qui vient de se prendre une flèche en pleine poitrine. Bleh. Comme ça, à la table de repas. Et t'as l'autre qui est là. Finalement, ça ne devait être que le vent. Ce n'était rien. Mangeons comme si rien absolument ne s'était passé. Mais quand je dis rien, c'est absolument rien du tout. M'a vu? Vous allez voir. M'a pas vu. Il a pas eu le temps. Ouh, j'ai quand même fait un très beau tir. Hein. Regardez-moi, juste dans la bouche. Oh, le pot de fleurs, avec des givres boises. What? Les tentatives de discrétion de Bob Lennon. Pourquoi je finis toujours pas? Pas prendre le couteau. Puis ça, c'est un tas de cendres. Ouais, c'est pour que tu puisses pas le ressusciter. Ça, c'est une bonne trouvaille, ça, je trouve. Même. Ha! Oh yeah! Oups. Oh! Sincèrement, pour ce que c'était... Excusez-moi. Non. Déjà, pour commencer, on ne ressuscite pas les loups. Ensuite, toi. Non. Enfin, toi. Non. Ça suffit, la discrétion, ça a bien 5 minutes. Je vais commencer à boire de l'âme, là, maintenant. De toute façon, j'ai une armure orc. Elle marche très très bien. Elle n'est pas super lourde. De toute façon, ça compte pas parce que j'ai le destrier, mais... Elle est pas très lourde, elle fait énormément de dégâts. Et d'un. Je l'ai balayé lui. Pardon. Ça couche d'apothicaire, de quoi faire de l'enchantement. Le mulet des rois, Barenzia la véritable histoire, Vernacus Bourlon, unité givreboise, de la lavande. Et un ennemi qui est automatiquement de l'autre côté de cette porte, mais qui n'a pas les moyens de la déverrouiller. Trouvons le point d'ancrage. Ah, il est là. Ah, non, dommage. Il est pile poil sur le deuxième ticket. Un peu plus loin. Un tout petit peu plus loin. Et voilà. Potion de magie. Coffre, filtre de visée, saphir... Je vais juste relancer mes sortilèges. Ah! Voilà, c'est pratique ce sortilège de lampe. Aide, hein. Aïe! Alors vous allez pas pouvoir me toucher si je fais des pas de côté. Raté. Réfléchissons. Toi d'abord. Touché. Ça a foutu un sacré merdier et je suis protégé par cette espèce de barrière à la marmoille et nouilles. Je peux pas sauter par-dessus. Si, je peux faire largement le tour. Et donc me débarrasser. Il est mort. Putain. J'avoue, j'étais légèrement sous-estimé. Cela dit, tu n'es pas encore à mon niveau. Et j'ai récupéré ton bâton en plus. Et elle était déjà morte. Je ne savais pas encore. Vraiment sympa. Alors,
sur zombie, lol. Discord, super. Cette merde, je sais pas vraiment ce que ça va faire, mais on l'active quand même. Ah, le pont levis. On laisse passer une petite heure, ting. Et voilà, on est full vie. C'est parti, on a l'éclairage, vous y voyez bien, vous, là, sur YouTube. Il y a une porte en bois, j'ignore ce qu'il peut y avoir bien derrière, mais... Nous allons essayer de l'ouvrir tout de même. Ah. Je suis deg. Hop. Et là, ça ouvre. Ah, super. Comme ça, au moins. Puff, puff, puff. Potion, potion. Étrange. Mais étrange, étrange, tout ça. Une barre en fer. Pourquoi ils l'ont placé de ce côté? Ça les empêche eux de sortir. C'est complètement débile. Du coup, ils peuvent pas fuir. Bon, en même temps, ça m'arrange. Ça va me permettre... Ah. On ne peut pas déjà faire disparaître un autre villageois. Je vous ai dit de tout préparer convenablement. Oh! Je m'appelle Lennon et je suis un ninja. Et même que je sais super bien tirer à l'arc. Ils sont en mode stress là. Ils sont en stress. Quelqu'un ? Y a quelqu'un ? Ce n'était sans doute rien. Ouais, c'est ça. C'est bon, j'ai toujours le cri de glace. Merde, j'ai plus de flèches. Wait, wait. Comment ça, j'ai plus de flèches ? Si, j'ai plein de flèches. Oh, oh, ce meurtre! Cet assassinat! Oh, c'est marrant de jouer le voleur quand même. C'est marrant, je l'accorde. Là, il fait le même bruit que... Qu'un zombie. Hein. Comment je vais faire? Réfléchissons. Pardon. Réfléchissons. Mais fuck it. Ah bah voilà qui règle le problème, j'ai envie de dire. Déjà on va se servir. Pam 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 pam. Daram daram. Je suis un fou, moi. Je suis un fou. Fou. Qu'est-ce qu'elle est longue, cette... Qu'est-ce qui est long, ce bouquin? Je le lirai avec vous, hein, comme d'habitude. Vous connaissez Poupidoupidou. Dédim, dédim. Hop, je te le prends, hein. C'est pas comme si ça allait déranger. Filier. Et voilà. Et ça, c'est fait. Je prends ton orteil de géant, j'aime Spirilol, j'aime Spirilol, hop, ça c'est fait, un petit tas de cendres. Ça, c'est quand même bizarre ça, tu vis dans une académie, t'as un de tes potes qui meurt, tu le ressuscites. Mais tu sais, c'est un zonzon et il t'obéit. Weird. Comme c'est juste le rêve de je sais pas combien de pervers sexuels. Ninja. Ninja. Je suis en train de les rendre fous. Je suis en train de les rendre fous, les mecs.
sais que j'ai entendu quelque chose, je dois être sur les nerfs. Mais oui, c'est ça. Enfin, tu me tires dessus. Aïe. Réessaye ça pour voir. Crétin. Fire! Unlimited fire! Oh God, I love my job. Alors, personne d'enfermé ici. Hop, de lumière pour y voir clair. Bilia, ah, ressuscite ça! Ah, je suis gelé! Ça veut plus jouer! Au secours! Ah! Freeze! Stay cool! That's ice! Oh God! J'ai plus qu'à moissonner leurs âmes! C'est vraiment le terme! Oh God! Robe de recharge. C'est la classe quand même cette robe là, avec les symboles obliviens dessus. Je vais la prendre. Une gemme spirituelle noire. J'aurais pu la voler puis boire son âme avec après, tu sais. Ça aurait été encore plus pété. Allons-y. Tac. Ninja. Ninja. Un piège. Oh, l'étoile d'Azura et Malin Varen. Ah, putain, mais quand même, regardez l'effet de lumière, l'ombre derrière lui et tout, c'est beau ça. Grimoire de Malin Varen, voyons voir. L'étoile noire. Ta ta ta, la la la. Bla bla bla. Vision Azura, disciple moi-même. Suezo, dernière phase, étoile noire. Ok. Je vais fouiller le loot. Bâton de rayonnement, boule de lumière qui laisse 62 secondes, reste où elle tombe. Super. Dague de verre d'immobilisation. Possibilité de paralyser la cible pendant 4 secondes. Yeah! Un enchantement qui paralyse. Je vais pouvoir la prendre et le mettre à mon arc ou un truc comme ça. Ça va être pété. Complètement pété. Et c'est ça. Mais elle est complètement pété. Cac. Bonsoir. Regardez, on dirait il chante. Il attend le bus. Bon, attends. C'est pas grave. On avance. J'adore jouer avec les squelettes. Putain. Waouh. Flashy. Ah, ça change un peu tout de la lumière qu'on a. En même temps, ça fait un peu plaisir de voir un peu de lumière comme ça depuis le temps. C'est quoi ça là-bas? Ah, c'est une pierre du gardien. Allons-y. Ya! Blouf! Yoink!